chasse à la marégane. En fait, la marégane, c'est un poisson qui est assez difficile à trouver. Par contre, quand on le trouve, c'est la maison d'Alibaba, je vous le dis, il y a des poissons là. Si vous en trouvez une, posez-vous une question. C'est sûr qu'il y en a d'autres pas loin. Il y a toujours une raison pourquoi elle est là. Mais le plus difficile, c'est de la trouver. C'est pour ça que notre meilleur ami, ça va être le sonar GPS. En fait, quand vous allez voir, mettons, des très grandes baies qui vont ressembler à une baie à chican grande bouche que vous allez pêcher, maintenant, même des fois une baie à brochet ou peu importe, vraiment une baie là, qui va avoir beaucoup de joncs puis qu'il y a du creux. Directement à côté ou à l'intérieur, il y a des gros bassins. C'est souvent là qu'on va retrouver les maréganes. Souvent, les gens vont l'empêcher dans 3-4 pieds d'eau, mais ça, c'est quand qu'elle rentre ou quand qu'elle sort. C'est sûr que là, c'est une question de timing. Mais si vous l'empêchez à l'année, il faut vraiment essayer de trouver la marégane qui est en profondeur. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on se promène, quand on voit ce genre de trou-là, on se promène dans le trou, et puis quand on voit une branche, des fois, ça peut être un émeu de roche qui va être là, ou un weed line, tout simplement. Mais vous allez voir sur le sonar aussi, dans le fond, vous allez voir tout plein de petits arches rassemblées, pas une aux 50 pieds. Vous allez en voir vraiment tout plein, là, un peu comme de la perche haute, vous allez voir. Vous allez avoir des bancs, vous allez en voir un peu aussi en suspension. Mais là, c'est le temps de l'essayer. Sûrement là, que vous êtes tombé sur un banc de marégane. Puis je vous le dis, ça vaut de l'or. C'est pour ça que les spots à marégane, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément, mais c'est très difficile à trouver. Mais quand vous le trouvez, vous avez beaucoup de plaisir. Premièrement, c'est de les repérer sur le sonar. Ensuite de ça, ça va être l'équipement. L'équipement va être très important. C'est sûr que habituellement, j'ai toujours pêché avec la flotte, comme on appelle. Et puis, on essaie de trouver la hauteur dans laquelle la marégane va se trouver parce que c'est un poisson de suspension à la base. On peut en prendre en jiguant le fond. Par contre, vous allez en prendre beaucoup, beaucoup moins. C'est pour ça que moi, j'ai commencé ma journée avec une flotte. Puis, ce qui est arrivé, c'est que c'est très difficile d'essayer de trouver de la marégane avec une flotte dans 20 pieds d'eau. On s'entend, c'est vraiment pas évident. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est adapté complètement, juste pareil comme à la chiga. On voudrait faire une drift, sauf par contre, on fait un peu du surplace, puis on ramène très lentement. C'est d'y aller avec une canne à drop shot équipée en drop shot. Pour la canne, vous pouvez y aller avec une Okuma TCS, medium light, 7 pieds 2. Dans le fond, c'est juste pour avoir assez de mou sur le bout de la ligne pour être sûr de bien suivre votre fond. Parce qu'on le faisait tout le long de la journée. Ce qu'on fait, c'est qu'on lance. On sent le fond, c'est de la vase. Oups, on sent des petites branches. Oups, on sent des petites roches. On va attendre, on va voir. C'est sûr qu'on va avoir une touche. Comme de fait, c'était immanquable à chaque fois on avait une touche. Important aussi, c'est de la marégane. On n'est pas à la chiant. Et aujourd'hui, c'est une journée venteuse. Rapetissez votre fil. 6 livres test. Au pire, vous pouvez mettre un 8 livres. Mais le bas de ligne, mettez du 6 livres test. Absolument. Plus le fil est petit, plus on va sentir le fond, plus on va sentir les touches, puis moins il va prendre dans le vent aussi. Parce que des fois, il fallait faire des longs lancers parce que le banc, il tourne. Tout simplement, là, des fois, vous arrivez, vous empoignez une dizaine, ah, il n'y en a plus, pas il n'y en a plus, restez là, c'est que le banc, il tourne, le banc, il bouge. C'est juste de trouver les secteurs. Comme aujourd'hui, il y avait peut-être 3-4 secteurs précis où c'est qu'il était. On lançait un endroit, j'empoignais plus, Maxime lance à l'autre endroit, il empoignait, on changeait d'endroit. Fait que c'était toujours comme ça, il changeait d'un spot à l'autre, il tourne en rond, et puis c'est de les trouver. Le leurre utilisé, le Core Swim Bait, allez-y dans le plus petit des modèles. Vous voyez, dans ce cas-ci, on parle d'un 2 pouces et demi. Et puis la couleur là, qui est très, très, très foncée. Ça, vous pouvez y aller dans le clair, je l'ai essayé le clair, ça n'a pas été très productif. Dans le fond, c'est de trouver la couleur. C'est sûr que si vous êtes en eau claire puis il aime le clair, allez-y avec ça. C'est de trouver la couleur qui va être bon pour le plan d'eau que vous allez pêcher. Ils sont en eau très, très, très brune. Souvent, les leurres très foncées vont être efficaces, que ce soit à la chigan ou la marégane. Et puis le plomb, allez-y pour sentir votre fond, parce que de toute façon, vous n'êtes pas dans le courant. Fait que c'est sûr, mais allez-y le plus léger possible. Pourquoi le plus léger possible? Si vous êtes dans une branche puis vous êtes un demi-once, vous allez toujours, toujours être pris. Il va toujours falloir remonter le bas de ligne. Et puis, c'est de sentir les touches aussi. Plus vous êtes léger, plus vous allez sentir vos touches. Donc, essayez ça, de repérer des petites maréganes. Vous en avez un peu partout. Fleuve Saint-Laurent, vous en avez dans le lac Saint-Pierre, vous en avez dans le lac Saint-François, lac des Deux-Montagnes, rivière des Mille-Îles, rivière des Prairies. Il y en a un peu partout. Je vous le dis, tout le monde demande où est-ce qu'il y en a. La rivière Outaouais est un excellent endroit. Rivière du Lièvre, vous avez réservoir du poisson blanc. Il y a plein d'endroits qu'on peut retrouver de la marégane au Québec. Donc, c'est un poisson qui gagne un gagnant. En plus, c'était avec une super bonne chair. C'est un maximum de 30 par permis. Moi, ce que je fais par année, c'est que j'en garde peut-être deux fois une dizaine dans l'année. Donc, un total de 20 marégans. Faites attention à ne pas décimer les groupes. Anciennement, il y a des endroits où c'est que les gens ils ont exagéré. Ça sortait à coup de 5 gallons. Mais ces endroits-là, ils n'en ont plus de marégans aujourd'hui. Donc, c'est vraiment de faire attention puis de ne pas exagérer puis de respecter la ressource.
évidemment, j'ai gardé sa manière.